avancer. Donc là, tu vas juste pivoter comme ceci pendant une minute. Tu serres bien les abdos. C'est une séance pour débutants, tu te rappelles? Donc là, tu vois, t'engages tes abdos et tu pivotes avec le haut de ton buste. Tu vas sentir que ta taille, elle s'essore. Et tu me pousses le bras, tu vois, le plus que tu peux. Et ton regard, il suit ta main. Tu vois? À mi-chemin. Et tu vas sentir que la taille, elle s'essore. Et on continue. Parfait. On fait ça pendant une minute. Ensuite, on descendra au sol. Parfait. J'aime trop faire le sport avec toi, je trouve ça trop bien, ça me plaît trop. On va descendre au sol. Tu vois, tu vas t'inscrire comme ça. Tu vas mettre tes mains près de ta poitrine comme ceci et tu vas venir lever comme ça, tu vois. Tu laisses les bras, tu laisses ton buste, tes genoux au sol et juste tu pousses sur les mains pour lever juste la partie de ton buste. Et là, ça va venir échauffer les bras. Et on fait ça pendant une minute. Tu vois? À mi-chemin. C'est une position un peu bizarre. Et tu vas sentir que ça étire dans les bras. Tu souffles. Tu fais ça tout doucement. Parfait. On va faire un petit full body. Donc tout va y passer. Parfait. Allez, on va se relever et on recommence notre petit exercice, tu te rappelles? Celui qui essore la taille. Et après, on refera celui du sol. En vrai, pour une bonne séance de sport, t'as pas besoin de trop changer les exercices, tu vois. Tu peux refaire les mêmes plusieurs fois d'affilée. Comme ça, ça fait vraiment un focus, tu vois, ça fait vraiment un vrai renfort. Regarde, tu fais suivre ton regard avec tes épaules et tes mains. Et vraiment, tu vois, je veux sentir que t'essores la taille. Tu dois vraiment sentir qu'il y a une contraction au niveau de tes obliques, tu vois, au niveau de tes abdos, tu dois le sentir. 3, 2, 1, commencez. Allez, on retourne au sol, tu te rappelles de l'exercice. Donc, tu te mets complètement à plat, tu mets tes mains au niveau de ta poitrine et tu pousses sur les bras, tu vois. Bras tendus après. Voilà, là c'est plié. Tu pousses. Et c'est vraiment que le buste que tu lèves. Les jambes ne se lèvent pas. Les genoux non plus. Et les pieds non plus. Parfait. Tu vas voir. Elle va être super cette séance. À mi-chemin. Parfait. Allez, courage. 3, 2, 1, commencez. Il nous reste un petit exercice. On va commencer à échauffer les jambes. Donc là, tu vas me faire des petits coups de pied. Juste comme ça, tu vois. Sans impact, sans saut. On ne se traumatise pas. On y va doucement. Et si tu veux, tu peux envoyer les poings aussi. Tu vois. Tac, tac, t'envoies. Et comme ça, c'est canon. Parfait. Génial. Voilà. Et ton poids. T'es pas obligé d'envoyer les bras. Regarde, tu peux les garder comme ça. Hop. Parfait. Tu commences peut-être déjà à avoir chaud. C'est normal. C'est normal. Je te le garantis que c'est normal. Faut pas que tu t'inquiètes. 2, 1. Exercice terminé. Prête. Commencez. Allez, tu descends comme ceci et tu fais ce mouvement-là, tu remontes, tu descends, tu montes. Si tu n'as pas d'haltère, tu prends des boîtes de conserve. Tu prends une paire de chaussures, tu mets une chaussure dans chaque main, d'accord?
Sinon, tu peux prendre deux verres. Tu peux prendre... En fait, il faut juste que tu aies quelque chose dans tes mains, tu vois. Des boîtes de conserve. Tu peux prendre des bouteilles d'eau. À mi-chemin. Même deux bougies. Si tu as deux bougies de la même taille, tu prends deux bougies. Ça me va. Tu fais comme tu peux. Tu te rappelles, je fais que te le dire. Le nombre de répétitions, c'est pas important. Tu vas à ton rythme, d'accord? Voilà, c'est tout ce que je veux. Tu vas à ton rythme. Parfait. 3, 2, 1, commencez. Tu poses tes haltères et là, regarde ce qu'on va faire. Tu vas te mettre au sol comme ceci. Tu vas faire un demi-cercle pendant une minute. Un demi-cercle. Je te montre l'option sur les genoux pour les débutants. Tu poses et tu fais la même chose. Parfait. Et dès que tu peux, tu reviens sur les pieds. En vrai, tu peux faire 1, 2, 3, 4. Tu te mets sur les genoux et tu fais 1, 2, 3, 4. Tu vois, comme ça, ça te challenge un peu. Et tu reviens sur les pieds. Tu peux alterner. 3, 2, 1, commencez. On repart sur l'exercice du début. Tu rattrapes tes haltères. Tu mets tes haltères. Tu montes. Encore. Vous allez voir, elle va être bien dans cette séance. Je le sens qu'on va se régaler. Parfait. Chemin. Et calme. Tu descends jusque là où tu peux. Si tu peux descendre bas, tu descends bas. Si tu peux pas descendre bas, tu descends moins bas. Ce que je veux, c'est que ton dos sois bien droit. 3, 2, 1, commencez. On se remet sur notre planche. Donc tu poses les mains, soit les genoux, soit la planche totale, comme tu préfères. Tu te concentres et surtout t'abandonnes pas. Si c'est trop dur, tu poses les genoux. Et si tu peux, tu lèches. Courage. Moi j'adore faire le sport, c'est trop bien. Tu te motives, tu me fais des beaux arcs de cercle. Ouf. Même pour moi c'est dur. 3. 2, 1, commencez. Tu rattrapes tes haltères et on y va. Là, c'est la troisième fois qu'on le fait. On le fait 4 fois ce petit combo. Tu vois, 4 fois. Parfait. Impeccable. Mi-chemin. Ah, j'adore. C'est trop bien. Tu souffles bien. 3, tu pousses dans les jambes. 1, commencez. Tu poses tes haltères, mais toi, on va les poser là. Et là, on repart. Donc, tu rétroverses le bassin, tu tiens ta position. Si tu es sur les genoux, tu rétroverses le bassin aussi. Et si tu alternes les deux, tu fais pareil. Tu souffles bien. Les mains en dessous des épaules. Allez, courage. Tu vas y arriver. Contracte les fessiers. Tu contractes les jambes. T'as vu, je commence à être essoufflée, alors que on saute pas dans tous les sens du tout. Tu souffles. Parfait.
prendre ton temps. 3, 2, 1, commencez. Tu rattrapes les petites haltères. Tu descends au sol. Tu montes. En fait, tu pousses dans les genoux. Enfin, tu pousses sur le talon, pardon. Comme ça. Et tu vois, là, les poils de pied sont relevés. Tu pousses dans les talons. Mince, je me trompe. C'est comme ça. À mi-chemin. J'adore. Encore. Après, on va détendre tout ça. Ça va être la dernière fois qu'on fait la planche. On la fera plus après. 3, 2, 1. Commencez. Allez, tu poses. C'est la dernière fois qu'on fait la planche. Donc, soit tu restes en planche statique, ça me va. Et si tu te sens prête pour passer sur trois pattes, tu fais 1, t'attends, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre main. 1, 2, 3, 4, 5, l'autre main. 1, 2, 3, 4, 5, l'autre main. À mi-chemin. 1, 2, 3, 4, 5, l'autre main. Pour les autres qui sont sur le genou, c'est la même chose. D'accord? Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, l'autre main. Tu vois? Allez, tu tiens. On tient encore. 3, 2, 1. Commencez. Allez. T'attrapes les haltères. Et là, là j'ai les cheveux. Tant pis. On va faire comme ça. Et après, le circuit est terminé. On n'aura plus qu'à en faire un deuxième, mais on mettra d'autres exercices. Promis. Allez, souffle. Tu souffles. À mi-chemin. Encore. Oh, génial. J'adore. Encore. Tu presses. Tu presses. On presse. C'est chaud. Tu presses. 2, 1. Commencez. Et là, parfait. On va envoyer des petits coups de pied. Tac. Tac. Et là, vraiment, le circuit est fini. En fait, c'était 10 exercices. Pas 9. Parce que c'est vrai, j'ai mis 55 secondes par exercice. Je n'ai pas tout à fait mis une minute. J'ai mis 55 secondes. Allez, tu tiens droite et t'envoies les pieds. Ça va faire circuler tout ça. Après, on prend une petite pause de 30 secondes, histoire de voir comment tu vas, que tu t'hydrates, très important. Et après, on fait le deuxième circuit, mais on change les exercices. Promis, juré, je ne t'arnaquerai pas. On est pas bien. 3, 2, 1. Exercice terminé. Je t'ai pas menti. C'était la fin du premier tour. Prête et prêt. Ça va démarrer. 3, donc, c'est pas vraiment 2, défente. 1. D'accord ? Commencez. Tu décales vers l'arrière. Tu me fais comme ça, c'est un petit biceps curl vers l'intérieur. Hop, tu vois? Tac. Tu mets la jambe vers l'arrière et tu montes. Pour les motiver, tu fais ça. Tu vois? Tac. Si tu arrives à faire celui-là, c'est parfait. Il est un chouïa plus intense, tu vois? Et si tu peux pas faire de fente, tu te rappelles de l'option? À mi-chemin. Tu vois? J'ai entendu. Ok? Et si tu peux, paf, parfait. Allez. Comme ça, tout le monde a son option. Putain, le bras, ça chauffe sa mère. Hein. Oh, yo, yo, malheur. Kyria, qu'est-ce qui t'a pris? Vous avez le droit de m'engueuler. 3, 2, 1. Commencez. On change de côté. Allez.
Ton bras, tu le mets où tu veux, hein, le bras. Soit tu peux le mettre vers le haut, soit tu peux le mettre sur la taille, comme ceci. Oh. Super. Je te remonte l'option, si tu peux pas faire de fente, juste tu décales vers l'arrière, tu vois. Tac. À mi-chemin. Si c'est trop dur de le faire en même temps parce que problème de coordination, tu te places derrière, tu montes, tu reviens. Tu te places derrière, tu montes, tu reviens. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire les deux en même temps. C'est mon avis. Tu souffles. Oh pétard, malheur. 3, 2, 1. Commencez. Il faut qu'on fasse ce circuit. Oh, tu sais quoi? On va poser un petit peu, ça va nous reposer. Et là, tu vas faire ça. Et après, on recommence. Parce que comme il y a des débutantes, et que je vois que même pour moi, ça va être compliqué d'en faire 5 fois d'affilée de chaque côté, on adapte, on se fait ça. Et après, on fait la même chose de chaque côté. Tu vois? Parce que les séances, je ne les teste pas avant. Je les écris dans ma tête. Et après, quand je vois que ça manque peut-être d'accessibilité pour certaines personnes, je réajuste sur l'instant. Tu vois? Parfait. Lève bien le point de pied, ça sollicite les mollets, tu vois? 3, 2, 1, commencez. Tu rattrapes ton haltère et tac, on repart. Tu vois? Petite fente ou le pied tendu, comme ça. C'est comme tu préfères. Oh malheur! Qu'est-ce qui m'a pris? D'où Jésus? Allez, courage, hein. Tu commences à être essoufflée, je sais. Moi aussi. Tu n'es pas seule dans la cambousse. On est toutes dans le cambouis. Est-ce qu'il y a des garçons qui font cette séance? S'il y a des garçons qui font le sport, mettez-moi un smiley avec des lunettes de soleil. Je veux savoir. 3, 2, 1, commencez. Et bien de l'autre côté, t'es prête? Allez, t'envoies derrière. Oh, génial. Ah, c'est super. Oui, non. J'ai pas encore créé les lives de la semaine prochaine. Parce que c'est difficile de me caler sur les horaires. Mais il faut que je le fasse. Je le sais. Parfait. Parfait. Impeccable. Pose la terre, tu te rappelles, tac, tu lèves, hop, tu lèves, tu lèves, tu lèves les pointes de pied. Allez, concentre-toi. Le nombre de répétitions, je te l'ai dit et je ferai que te le dire, ça compte pas. Je préfère que tu me fasses des amplitudes maximum. Je préfère 5 belles répétitions que 10 bâclées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et tu souffles. Allez, courage, ma petite. Si j'y arrive, t'y arrives. Si Nadège, elle y arrive, t'y arrives. Allez, parfait. On continue. Derrière. Allez, pour ceux qui passent sur le live, pensez à le liker. Et ceux qui veulent refaire cette séance en replay, elle sera sur YouTube. J'ai pris un peu de retard sur YouTube, mais vous inquiétez pas, je vais tout mettre. C'est promis. Parfait.
image. Malheur. Ouh. Ouais, moi aussi je fais des petits bruits. Hein. Quand je fais le sport, t'es obligé. C'est dur. Mais on est tenace, d'accord? On est volontaire. On est motivé. Si t'as des haltères moins lourdes, tu prends moins lourd. Hein. Deux haltères. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la petite? Bah, la petite, elle raconte que tu vas en chier. Voilà. Ça, c'est fait. C'est dit. C'est plus à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À mi-chemin. Parfait. Courage. 3, 2, 1. Commencez. T'attrapes tes deux haltères et là la petite t'envoie tout. Donc tu descends, tu montes, tu changes de jambe. On va te faire en prise marteau, ce sera plus simple. Comme ça tu n'auras pas ce petit mouvement du poignet. Si tu peux pas faire de fente, regarde, tu mets juste comme ça, tac. Tu changes. Tu vois? Et si tu peux envoyer les fentes, c'est mieux si tu arrives à faire les fentes quand même, tu vois? Je vais pas te mentir, les mouvements polyarticulaires, c'est la vie, genre, tu vois? Mais en même temps, si tu as mal au genou et que tu veux pas te blesser, bah, tu fais différemment. Courage! Ah ben voilà, regarde, on a fait 25 minutes, c'est pas mal. Tu veux un troisième circuit, c'est ça, t'es chaud du troisième. Prêt, prête. 3, 2, 1, commencez. Donc tu descends comme ceci et tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Tu reviens en deadlift, tu remontes, tu redescends, deadlift, 1, 2, 3, 4, 5, deadlift, tu remontes, tu redescends, encore, 1, 2, 3, 4, 5, on remonte, tu contractes le fessier, tu redescends, 1, 2, 3, 4, ça chauffe, hein. 5, deadlift, tu remontes, tu redescends. 1, 3, 2, 1, 3. Commencez. Et là, on va faire un exercice qui est cool. Tu descends, tu remontes, tu presses. Et tu presses, toi à gauche d'abord. Allez, courage. Courage, mon petit. Courage. Tu vois, moi aussi, je me le dis qu'il faut avoir du courage. Je suis comme toi. Ça pique. Ah. On est bien. Ah.
Impeccable. Parfait. Commencez. Tu prends deux mains. Tu touches. Tu lèves. Tu lèves. Allez, courage. Tu presses. Tu pousses. Tu touches. Tu pousses. Fais calme. Encore. Parfait. Encore. Et encore. Tu vois. Et qu'un main. 3, 2, 1. Là, on va faire une petite variante. Donc, t'attrapes. Là, on va inverser. Tu fais 1, 2, 3. 4, 5, tu descends au sixième, tu tires vers l'arrière et tu remontes. 1, 2, 3, 4, 5, le sixième, tu tires vers l'arrière et tu remontes. 1, 2, contracte les fessiers à la montée. 3, 4, tu descends, tu tires vers l'arrière et ainsi de suite. On continue. 3, 2, 1. Commencez. Allez, on repart sur notre petit squat. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Tu tires, tu presses. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Tu presses. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu presses. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5. Tain, le summer body, il est pour nous, les filles, je vous jure. Hein. L'été prochain, tu seras fin prête. Hein. Si tu tiens jusqu'au mois de juin comme ça, avec mes cours de sport sur YouTube, avec mes lives sur TikTok, je te jure, tu vas kiffer. 3, 2, 1, commencez. On change de jambe. On va faire des répètes de 3, d'accord? Ce sera plus facile. 1, 2, 3. Tu presses. 1, 2, 3. Tu presses. Après, il nous restera 3 exercices. 1, 2, 3. On presse. Parfait. 1, 2, 3. Et on presse. Demain matin, il y aura un cours de sport. Par contre, je ne sais pas à quelle heure. Donc, je me connecterai en live le matin. Je ne peux pas vous dire à quelle heure il y aura un cours de sport. C'est sûr. Faut que je me cale avec Pépite. Mais Pépite, il ne m'a pas dit à quelle heure il allait à la salle, tu vois. Mais c'est sûr, ce sera entre 9h et 11h. Pour ceux que ça intéresse. Commencez. On va changer. Allez, là tu fais, tu descends en deadlift, tu tires vers l'arrière, tu remontes. Tu descends, tu tires, tu remontes. On descend, tu tires, tu remontes. Les haltères, vous en trouvez chez Action, des pas trop chers, et chez Amazon. Pour commencer, tu peux prendre du 1 kg ou du 2 kg. Et quand ça suffira plus, d'ici un mois ou deux, mais tu commanderas les poids supérieurs, tu vois. Impeccable, impeccable ça. Et là, on va se faire une petite planche, ça démonte, tu vois. Pour le 8e exercice, petite planche. Tu restes comme ça, tu bouges pas. Tu bouges pas. Si tu veux, tu poses les genoux.
Et si tu peux, avec moi. Allez, courage. Courage. Tu rétroverses le bassin et tu contractes la sangle abdominale. Là, tu vois, là, je suis tout relâché. Et là, pouf, c'est contracté. Fessier contracté, cuisse contractée, abdos contractés, dos contracté. La totale. Et je tremble de partout. Allez, encore. Encore. Courage. Tiens bon. Tiens bon. Tu tiens bon. C'est le moment de passer sur le côté. Tac. Et tu restes là. Je te fais plus bouger, regarde. On fait du statique. Donc, soit t'es comme ça, soit t'es comme ça. Soit t'es comme ça. C'est comme. C'est selon ton niveau, tu mets comme tu veux. Et tu tiens une minute. Il reste 30 secondes. Après, on fait l'autre côté. Non, le bras, t'es pas obligé. Il y en a qui préfèrent le faire comme ça. Tu peux le faire comme ça aussi. Tu vois, regarde les abdos. Comment ils sont contractés. On est chaude. J'aime trop la couleur de cet ensemble, c'est ouf. Oh, trop beau. Trop, trop beau. 3, 2, 1. On se change de côté. J'ai chaud, meuf. J'ai chaud, sa mère. Hop. Je le mets comme ça. Voilà. Il vaut mieux que tu prennes 5 secondes à bien te placer que de te placer à la va-vite. Tant pis pour le chrono. Par contre, mets pas une minute à te placer, meuf, m'arnaque pas. Tu mets, si tu mets entre 5 et 6 secondes pour te placer. À mi-chemin. Voilà. L'option, je te la remonte, c'est celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. C'est comme tu préfères. Le live, il sera en replay sur YouTube. Je fais que te le dire. Faut que tu t'abonnes. Sinon, tu pourras pas faire mes séances en replay. Et tu vas louper le summer body. 3. Si tu le 2, loupes, c'est compliqué. 1. Exercice terminé. Oh putain, malheur. Oh. Alors, c'est super. On se sent bien. Ouf. L'endorphine, génial. Eh bien, écoute, à très bientôt.